Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Nous sommes au rendez-vous du débat des directs politiques du docteur Israël Ngoran. Ces 2 dernières semaines, nous avons traité d'un grand thème. Quel avenir de la jeunesse par le Rivas? Naturellement, nous sommes désormais un parti politique. Nous présentons notre projet de société et nous invitons le peuple de Côte d'Ivoire au débat autour des différents thèmes concernant ce projet de société pour que le peuple ne soit point surpris, mais qu'au contraire, le peuple analyse et puisse faire son choix. Car c'est le peuple souverain qui est le patron, c'est lui qui élit pour sa représentation au niveau de la présidentielle. Nous lui faisons la cour parce que nous sommes à la recherche de son suffrage. Donc, dans le grand thème, quel avenir de la jeunesse ivoirienne par le Revas, nous avons traité 2 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'était l'éducation. Le second sous-thème, c'était la formation professionnelle. Donc, nous avons instruit et dit que l'éducation, c'est la préparation du cerveau à être apte à la formation. Donc, l'éducation, c'est pour préparer le cerveau à acquérir une compétence. Donc, le REVAS propose donc un programme clair à cet effet. Je pourrais même ajouter réalisable. Nous proposons un système éducation-formation qui doit produire des citoyens compétents dans tous les domaines d'activité. Il faut donner à notre jeunesse, poumon de notre économie, poumon de notre développement, il faut donner à notre jeunesse une éducation claire. Il faut qu'il ait le savoir-être, le savoir-faire. Voici ce que nous devons proposer à notre jeunesse. Les sortir des ghettos de l'alcool et de la drogue, pour les instruire comme des citoyens dignes, des humains qui ont droit à la vie. Le REVAS veut donner un espoir nouveau à la Côte d'Ivoire. Et cet espoir appartient principalement à notre jeunesse. L'éducation libère. C'est pourquoi le REVAS veut des hommes ivoiriens, des femmes ivoiriennes libres. Parce que c'est l'éducation qui libère. Car aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, les chaînes de l'asservissement, les chaînes de l'esclavage sont dans nos têtes. À nos poignets, à nos chevilles, il n'y a plus de chaînes. Nous allons, nous venons. Mais nous sommes encore plus esclaves qu'hier. Car aujourd'hui, nous sommes dans l'immobilisme. C'est pourquoi je voudrais m'adresser aux panafricanistes, à nos frères Kamit, leur dire que j'approuve leur combat. Si nous nous parlons de retour aux valeurs sources, les frères Kamit doivent savoir que nous avons les mêmes inquiétudes. La question fondamentale est quel combat et avec quel peuple? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus que dans les discours de lamentation, sans action réelle. Concrètement, on ne fait rien. Il n'y a pas d'action. Mais pourquoi cela? Pourquoi l'Africain est réduit à la dissertation?
Pourquoi l'Africain est réduit à des lamentations? On se plaint de la monnaie, le fameux CFA. On se plaint que nous sommes encore colonisés. On se plaint même que nous sommes des esclaves. Mais pas d'action. Comme si nous nous plaignons, mais nous acceptons. Voyez, l'éducation est tellement fondamentale que lorsque moi je regarde mon peuple, il m'arrive par moments d'avoir pitié. Nous avons par exemple en Côte d'Ivoire une constitution. Cette constitution envoie les fonctionnaires à la retraite. Cette constitution envoie les travailleurs, qu'ils soient du privé, à la retraite. Et des gens comme Alassane Dramane Ouattara, Laurent Koudou Gbagbo, Henri Konan Bédié Aimé ont gouverné. Et c'est nous-mêmes qui voulons les empêcher d'aller à la retraite. Pourquoi? Parce que n'ayant pas été éduqués nous-mêmes, nous ne nous sentons pas capables de prendre la relève. Malheureusement, ils ont contribué à cette situation parce que pour eux, ils sont nés pères de la nation. Ils doivent être pères de la nation. Nous avons très rapidement un invité. Bonsoir, Anastasia Adou. Bonsoir, Président. Comment ça va, cher Amadou? Ça va, ça va. Ok, nous vous écoutons. En fait, c'est par rapport au programme du REVAS pour la jeunesse ivoirienne que je voulais intervenir. Oui. Voilà. Ok. Nous, au REVAS, nous avons décidé pour la jeunesse ivoirienne, parce que de toute façon, il y a cinq groupes de jeunesse. Il y a d'abord la jeunesse estudiantine et scolaire. Le REVAS va mettre en place des bourses et aides financières pour soutenir les jeunes dans le cursus d'éducation et de formation. Un fonds appelé Fonds national de l'école sera mis en place pour assurer la rentrée scolaire des élèves et étudiants, afin d'éviter les retards d'inscription. Le REVAS va mettre encore en place sa politique de sport-école. Pour que désormais... Sport-études. Pour que désormais, nous aurons des sportifs de haut niveau, éduqués, formés, qui pourraient facilement se reconvertir après le sport ou en cas d'échec. Ok. Voilà. Maintenant, les diplômés à la recherche d'un emploi, le REVAS va leur apporter un soutien financier renouvelable une fois le temps de leur permettre de trouver un emploi. Okay. Voilà. Ceux qui perdent leur emploi aussi ne seront pas oubliés. On va leur aussi leur donner une aide pour leur permettre de vivre décemment comme des êtres humains ayant droit à la vie. Amen. Ceux qui travaillent déjà, on mettra en place la politique du logement pour tous. En fait, que lorsqu'ils partent à la retraite, ils aient leur propre logement et aient une retraite plutôt paisible. Voilà. Le secteur informel. Personne ne doit être laissé pour compte. Les jeunes seront recensés et formés. Excusez-moi, voilà. Pour la création d'emplois où ils seront intégrés dans un emploi. Les jeunes en prison vont aussi suivre des formations et avoir une éducation
pour qu'à leur sortie, ils puissent s'intégrer dans la société. Voilà ce que nous avons comme projet pour la jeunesse ivoirienne. Voilà. OK. Nous voulons saluer l'Amazon de Kensi, car c'est d'elle qu'il s'agit, pour ce point donc, de la réponse qu'elle apporte, puisque notre grand thème, c'est quel avenir de la jeunesse par le Rivas. Et donc, elle le dit clairement. Nous espérons qu'elle reviendra ou que d'autres prendront la parole. Souvent, lorsqu'on parle de jeunesse, on confine. Pour dire qu'il y a la jeunesse partout. En réalité, la population active, c'est elle qui est appelée la jeunesse. Donc, la première tranche, c'est la population estudiantine et scolaire. Donc, nous passons de l'enfance, disons de la petite enfance, l'enfance, ok? Ensuite, on devient adolescent et on entre dans la jeunesse. Dans ce monde de plus en plus difficile, l'État doit assurer son pouvoir régalien de mettre sa population à l'école, mais plus généralement d'éduquer sa population au savoir, au savoir-faire et au savoir-être. Donc, il y a la population scolaire et estudiantine. Le REVAS va présenter plus tard son programme économique et vous comprendrez que nous allons mobiliser les richesses de notre nation loin des endettements sauvages. Parce que l'endettement a un coût que plusieurs générations vont supporter. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie. Donc, il faut supporter, aider les enfants pour aller à l'école, pour se former, pour s'instruire. Il faut étudier les systèmes d'aide. Il faut étudier des systèmes de bourse pour que personne ne soit laissé pour compte. Ça, c'est la première tranche. Mais une fois qu'on les a éduqués et formés, on va voir un autre cas. Le cas de ceux qui viennent d'avoir leur diplôme et qui sont à la recherche du premier emploi. Je voudrais saluer encore l'Amazon. Le REVAS propose une année d'aide renouvelable une seule fois. Évidemment, le concerné lui-même qui cherchera de l'emploi, mais les structures de l'État, comme à l'époque on appelait OMOSI, et je crois qu'on appelle maintenant AGEPSI, si le nom n'a pas changé, l'État doit aider à la recherche de l'emploi. Pendant ce temps, il faut que le diplômé vive. Ensuite, il y a une autre tranche, ceux qui perdent leur emploi et qui deviennent de plus en plus nombreux. Saluons ici la mémoire de Feu Félix Houphouët-Boigny, ceux qu'on appelait les chômeurs, qui étaient à la limite salariés, parce que tout le peuple de Côte d'Ivoire avait accepté par amour, et nous voulons compter sur cette bonté légendaire de notre peuple, pour créer un fonds et venir en aide à ceux qui perdent leur emploi. Ce sont des humains qui doivent vivre dignement. Aujourd'hui, quand quelqu'un perd son emploi, il est à la recherche de maisons inachevées, dans laquelle il dort avec sa famille, le temps que le propriétaire ait les moyens de venir achever sa maison pour l'expulser. Ce n'est pas normal. On ne peut pas avoir une classe insolente des riches à Cocody. Et puis les vrais propriétaires de la patrie, ceux dont la sueur du front produit les richesses, dans la misère. Moi, je vous ai toujours dit que la politique est un problème humain. Le développement est d'abord humain. Et c'est en répondant au développement humain que le développement infrastructurel va s'imposer. Ce n'est pas les infrastructures qui imposent le développement humain. C'est le développement humain qui impose les infrastructures. C'est ça l'harmonie du développement. Naturellement,
pour ceux qui travaillent. Et nous l'avons là. On ne le dit pas pour nous faire plaisir. C'est humiliant qu'un fonctionnaire travaille et aille à la retraite sans avoir un toit. En tout cas, pour ceux désireux d'avoir un toit. Le REVAS propose un mécanisme avec son financement pour que, durant le temps que va durer le temps d'emploi d'un fonctionnaire, d'un travailleur, car tous les Ivoiriens même qui travaillent au privé sont concernés, ils puissent acquérir leur loyer de convenance, leur maison. Le programme est là. Vous comprenez? Le jour où on dit va à la retraite, il est dans une maison. Même quand on lui paiera peut-être 60 à 70% de ce qu'il gagnait, ou qu'à la retraite, son revenu va chuter, il a un cœur en paix, une conscience libre. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, par le REVAS, l'aura aidé à avoir une maison. Naturellement, quand on parle de jeunesse, ne restons pas simplement dans le secteur formel, par le biais de l'éducation-formation. Il y a le secteur informel. Ces jeunes forgerons que vous voyez, ces jeunes mécaniciens que vous voyez dans nos rues, ces jeunes charpentiers, ces jeunes maçons sont la jeunesse. Il faudra mettre les structures fiables en place et il faut les former. Puisque l'objectif final du REVAS étant de faire la formation, adéquation, création d'emplois, nous proposons que personne ne reste à la touche. Donc, ceux du secteur informel, selon recensé, les unités mobiles existent déjà. Nous déplorons le manque de moyens. Nous déplorons la mauvaise organisation et le manque de sérieux dans le travail qui leur est confié. C'est là que nous avons vu les failles et que nous nous proposons comme solution pour notre patrie. Il faut les renforcer, ces unités mobiles, qui, sur des périodes bien déterminées, pourront former des cordonniers, pourront former des maçons. Je parle de ceux qui sont dans le secteur informel. Leur donner de la compétence. Ils font partie de la jeunesse ivoirienne et aussi ils ont droit aux mécanismes financiers pour créer de l'emploi. Notre objectif, c'est former et il faut que les formés créent des emplois. Naturellement, d'autres seront absorbés par la fonction publique, d'autres seront absorbés par le secteur privé. Mais la mentalité ivoirienne va être éduquée à la création d'emplois. Pour que cette histoire de chômage dans un pays jeune cesse. Mais là où je remercie ceux qui m'ont mis en prison. Parce que sincèrement, ce n'est pas pour faire fine bouche. J'ai découvert un autre monde de citoyens malheureux abandonnés pour compte dans les prisons. J'ai eu la chance d'en faire deux par la méchanceté des hommes. J'ai été attaché Minou Manoutari, jeté à la prison de Dabou comme un terroriste puisque j'étais précédé de cette mention. Et j'ai vu comment les prisonniers souffrent, abandonnés. Nourriture infeste, sans éducation. Parce que dans chacune de nos prisons, là où il y a le drame, c'est que il y a ce qu'on appelle les mineurs. C'est-à-dire ceux qui sont âgés, donc de moins de 18 ans, puisque la majorité c'est 18 ans. Donc ceux qui sont âgés de moins de 18 ans. D'autres ont été arrêtés dans les mouvements étudiantins, dans les mouvements scolaires et ont été emprisonnés. Pour l'instant, notre problème n'est pas de jeter un effroi sur la justice. Mais je vais dire, ils sont en prison. Il faut continuer leur éducation. Puisque l'espérance de chacun de nous, c'est qu'ils ont fauté. Nous considérons donc la prison comme une maison de correction. Nous voulons donc redresser ces jeunes gens en sortant qu'ils s'intègrent comme des personnes de haute moralité, de haute valeur morale pour intégrer la société. Si tel est notre rêve en tant que pouvoir, il faut donc les former. Donc le système éducation-formation qui a cours hors de la prison
doit avoir cours à l'intérieur de la prison. Ainsi éduqués et avec des compétences, quand ils sortent, et aussi doivent bénéficier du mécanisme de financement pour créer des entreprises ou intégrer, selon leur chance, car là, il va s'agir de leur chance, la fonction publique ou le secteur privé, mais chacun aura sa place. C'est une population qu'il ne faut pas négliger. J'ai vu à la Maca des femmes qui y ont accouché. Donc, les enfants y sont. Vous comprenez? Il faut trouver le mécanisme pour élever ces enfants-là. Ils ont droit à la vie. Ils ont droit à la vie dans leur société. Un temps, on commet une faute. Ok, la justice dit tu dois payer un tel nombre d'années. Mais vous voulez qu'il paye combien de fois sa faute? Alors qu'il paye l'incarcération, donc la privation de liberté, il faut qu'il ait au moins une éducation de sorte qu'en sortant, il ne soit plus récidiviste. Donc voici ce dont nous parlons. Et donc, il faut les loger, il faut les nourrir correctement, il faut les soigner correctement, car ce sont aussi des citoyens de demain. Il arrive de fauter et de se ressaisir. Voilà. Donc, on ne doit pas oublier cela. C'est pour ça que l'Amazon de Quincy vous a parlé de 5 groupes. Parce que toute la jeunesse doit être prise en compte. Oui, d'accord, Ahmed Bamba. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui sont, pour l'instant, dans les rues, en train d'apprendre aux côtés d'autres maçons, c'est ceux-là qu'on appelle du groupe informel. Et les unités mobiles doivent exister, eux aussi, pour les insérer dans la formation. Parce que je n'ai pas le rêve, ni la prétention de croire que tout le monde va aller à l'école. Quand bien même cela sera de la volonté de l'État. C'est vrai que nous proposons un système éducatif. Je vais brosser cette partie-là. Nous voulons supprimer les histoires de CEP et d'entrée en sixième. Fixer un niveau initial de base, c'est-à-dire dans ce qu'il est convenu d'appeler préscolaire, jusqu'à peut-être niveau quatrième. On va faire avancer les gens par moyenne. Mais j'ai confiance, le système les formera bien, les éduquera bien. Et à partir de la quatrième, on va commencer à faire des tris. Mais ceux qui ne pourront pas avancer, il faut qu'ils soient orientés automatiquement vers la formation professionnelle. Là, je parle de secteur formel. Mais il y a des gens que vous avez qui étaient peut-être dans un village et qui ont grandi, qui ont loupé l'année, l'âge d'aller à l'école et qui apprennent couture chez un tailleur qui est installé. C'est de là que je parle du secteur informel. Naturellement, si on les forme, peut-être qu'après le mot informel va disparaître. Mais je ne sais pas s'il peut totalement disparaître. Car tout le système économique, il y a le secteur formel et le secteur informel. Merci Ahmed Bamba. Donc, voici ce que nous disons. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je parlais avant que la dame n'intervienne. N'ayant pas été éduqué, nous sommes des gens dans l'immobilisme. On est conscient que le colon nous accule. Mais on n'a aucun plan de combat. Mais pourquoi on n'a aucun plan de combat? Parce que vous croyez que le colon, il est bête. Le colon, il a enlevé les chaînes de nos poignets, de nos chevilles, et il l'a mis dans nos têtes. Vous n'entendez pas vos compatriotes dire que les blancs sont forts, qu'on ne peut rien contre eux. Vous n'entendez pas ça. Parce qu'il a été éduqué, et d'ailleurs, ce n'est pas sa faute, il a été éduqué au système de valeurs du colon. L'Africain apparaît comme bête et incapable de réaliser. L'Africain est donc convaincu que c'est le blanc qui est fort. Et que sans le blanc, il ne peut rien faire. Parce que l'Africain n'a pas de repère dans son système pour comprendre qu'il est fort. Il est jugé dans un système importé qui l'éduque à être faible, qui l'éduque à être heureux dans la vie d'esclave,
qui l'éduque. Et beaucoup de facteurs y sont. Il y a l'école normale. Je salue mon ami Colia. Il y a ce que les gens appellent les religions étrangères. Globalement, un jour on en parlera. Mais un système est mis en sorte que nous soyons abrutis à leur cause. Vous voyez, j'ai rencontré un cadre de la BCC à l'époque où Laurent Gbagbo avait nationalisé les banques. Écoutez ce qu'il m'a dit. Nous, on ne pourra pas réussir parce que sans les Blancs, on ne peut pas travailler. Vous comprenez? Je dis bien un cadre. Il travaille à la BCC. Je tais son nom. On se connaît parfaitement. S'il est à l'écoute, il sait que je parle de lui. Alors que nous nous réjouissions, pour une fois, de cette nationalisation, et nous espérions gagner la guerre afin que cela continue. Ces jeunes cadres ivoiriens se sont cachés quelque part pour se faire payer par les Blancs. Ils ont refusé de travailler dans ce système. Et quand je les ai rencontrés pour discuter avec eux, il y a un qui a dit « Les Blancs sont trop forts, sans eux, on ne peut pas réussir la banque. » Je lui ai demandé simplement « Il y a combien de banques, de Blancs qui travaillent dans votre banque ?» Il dit « Ah non pas. » Il dit « Tu vois, tu produis l'argent pour aller donner aux Blancs. Et toi qui produis là, tu te négliges tellement que tu dis que sans eux, tu ne peux pas. » Naturellement, ça a échoué. Bon, même s'il y a d'autres facteurs après. Donc, moi, je fais face aux panafricanistes. Je fais face aux kamites. Et je leur dis, notre vrai problème, c'est là que ça se trouve. Aujourd'hui, nos discours sont enflammés sur le panafricanisme. Mais quel est notre sens du combat? Vous voyez? Et donc, la façon dont nous voulons embrasser le panafricanisme aujourd'hui, le champ est trop large. On ne pourra pas. C'est pour ça que Nkrumah a échoué. C'est pour ça que nos devanciers ont échoué. Parce qu'ils étaient des leaders éclairés sans peuple. Parce que le peuple analphabète, le peuple illettré, ne comprend même pas leur discours. Comment ce peuple peut-il se mobiliser avec eux pour atteindre les objectifs qu'ils fixent dans les discours? Donc, faisons marche arrière. Soyons patients. Nous qui commençons cette lutte, on peut mourir. Mais si nous avons correctement éduqué les jeunes générations, la lutte ne s'arrêtera pas. Il faut commencer à revenir dans chaque pays. Former ses concitoyens à se libérer dans la tête. À prendre conscience de nos valeurs. À retrouver nos repères. À construire notre société. Notre unité nationale, à construire notre économie, à construire, vous voyez, comment on appelle ça, notre développement. L'obligation d'échange va créer le panafricanisme lui seul. Parce que quand vous êtes membre d'une association, ou disons pour être membre d'une association, il faut que vous existiez d'abord. Dites-moi, lequel État africain existe aujourd'hui pour qu'on veuille les mettre ensemble en parlant de panafricanisme. Donc, les discours sont isolés. Et ça ne nous donne pas la force d'avancer. C'est très important et c'est capital. Or, dans le leadership, il faut un leader. Il faut un projet et il faut un peuple. Voici le trépied. Donc, le leader va conduire un peuple pour atteindre les objectifs du projet. Quand nous prenons le panafricanisme, où est le leader? Où est le pays leader? Quel est le projet? Avec quel peuple? Donc, nous avons des illuminés qui font des discours. Ça va être difficile d'avancer. Éduquons-nous autrement. Je vous donne un exemple pratique. Au Revas, nous parlons de retour aux valeurs sources.
exister par rapport à nous-mêmes, à nos cultures, exister par rapport à notre histoire que nous devons écrire nous-mêmes, exister par rapport à nos langues. Je ne parle pas celle que je parle maintenant. Mais nous devons exister. Parce qu'une nation, c'est une histoire commune, une langue commune, une culture commune, une économie commune. Donc déjà, il faut que nos pays deviennent des nations dans le vrai sens du terme. En Côte d'Ivoire, on arrivera à l'union, la discipline, le travail. Ces fiers artisans seront là à travailler pour la grandeur de la Côte d'Ivoire. Nous serons embrasés pour pousser notre développement. De pousser notre développement. Étant en train de pousser notre développement comme ça, le Ghana poussant son développement, le Mali, la Guinée, si on pousse ensemble notre développement, à un moment donné, forcément, on a besoin d'aide du voisin. Le panafricanisme va s'imposer seul. La nécessité de travailler ensemble, de partager même les ressources que nous avons sur nos frontières, vraiment dans l'amour, dans la paix, va s'imposer. Mais si chaque pays n'existe pas, si chaque pays n'existe pas, comment pouvons-nous parler de panafricanisme? Voici le drame. Vous voyez, c'est important. Donc, faisons marche arrière. Gardons notre cap du panafricanisme. Et je demande le soutien immédiat des Kamites parce que nous parlons de retour aux valeurs sources. C'est là que nous allons trier pour voir. Y a-t-il religion étrangère ou pratique étrangère de religion? Dans tous les cas, on se mettra d'accord sur le terme. Et on verra que faire. Mais la solution va se trouver dans l'éducation. Je vous ai dit, et la première fois que j'ai eu ce papier, c'est la sœur Elise King qui vit en Angleterre, l'une de nos pionnières qui ont mis sur place, sur pied le REVAS. Je voudrais aussi profiter pour la saluer. Elle m'a envoyé un papier écrit par Mark Colley. Si vous trouvez ce papier, lisez-le. Quand il est venu trouver l'Afrique dans son exploration, il a rendu compte au Parlement britannique en disant que l'Afrique est forte, honnête, et que sa socialisation est puissante. Donc, ils ne pourront pas dominer l'Afrique s'ils ne font pas relier l'Afrique à l'Afrique. Comprenez cette expression que j'utilise. Il fallait qu'il nous éduque à renoncer à nous-mêmes. Il fallait qu'il nous éduque à renoncer à ce qui est chez nous. Et considérer que c'est eux qui sont intelligents et forts. Considérer que c'est ce qui vient de chez eux qui est bon. Ils ont réussi par l'école. Aujourd'hui, pourquoi nos enfants meurent sur l'eau? Comment un jeune Ivoirien peut-il rassembler 3 millions de francs CFA pour payer un idiot de passeur pour aller mourir dans la Méditerranée alors que 3 millions de francs CFA peuvent lui permettre de monter une affaire en Côte d'Ivoire, aussi petite soit-elle? Mais parce que l'Eldorado, c'est ailleurs, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Frères et sœurs, serrons-nous les coudes, revenons à l'éducation de notre jeunesse. Que les gouvernants actuels de nos pays africains comprennent qu'ils sont dans le faux. La voie que nous avons empruntée est mauvaise. Prenons la conscience que nous sommes à la croisée des chemins. Et le chanteur pouvait dire, chacun prend sa route vers sa destinée. Laissons l'Europe aller à sa destinée. Remettons-nous sur notre propre voie. Allons à notre destinée. Feu Félix Fouet-Boyen disait que personne n'est arrivé. Donc nous, on ne doit pas courir par rapport à eux. Frères et sœurs, nous ne devons pas courir par rapport à l'Europe.
Moi et le REVAS, nous ne montons pas notre projet de développement en courant par rapport à la France ou aux États-Unis. C'est comme un enfant de 10 ans qui n'atteindra jamais celui qui a 15 ans. Il n'a pas besoin de courir derrière lui. Qu'il prenne son temps de croissance. Ils font exprès. Regardez, vous avez 20 ans. Vous tenez la main d'un enfant de 4 ans. Vous êtes obligé de marcher au rythme de qui? Si vous voulez marcher en toute sécurité. Si tu penses à la santé de cet enfant, tu es obligé de marcher à la, je veux dire, à l'allure de l'enfant de 5 ans. Il va te retarder. Comprenez bien la logique que je vous transmets là. Il va te retarder. Mais toi, tu sais que tu ne dois pas le laisser là. Alors, tu vas le traîner à ton rythme. Tu vas le tuer. L'Afrique doit se décrocher de l'Europe. La Côte d'Ivoire doit se décrocher de l'Europe. Parce qu'ils vont à une vitesse que nous ne pouvons pas supporter. Donc, vous voyez, ce qui nous arrive là, c'est cette faute-là. Ok, merci Kolia. Parce que Kolia vient de nous mettre le texte de Macaulay. Il dit, j'ai voyagé à travers l'Afrique, je n'ai pas vu de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec des hautes valeurs morales. Et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays. Vous voyez ce qu'il ajoute? Merci Kolia. Laissez-moi lire ça. Il a dit, permettez, on est là pour ça. Voilà. Il a dit, à moins... Voilà, nous ne pouvons pas conquérir ce pays à moins que nous ne brisions, effacions la colonne vertébrale de cette nation, qui est sa spiritualité, son héritage culturel. Par conséquent, je propose qu'on leur remplace leur ancien système éducatif et culturel. Ainsi, quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger, et en particulier de l'Angleterre, est meilleur que ce que, bon, que ce en quoi ils croient, ils perdront l'estime de soi, leur culture, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée. Lord Macaulay, discours du Parlement britannique, 2 février 1835. Quand moi j'ai découvert ça, j'ai dit je ne me lamente plus. Je dois éduquer mes concitoyens à la révolte interne, à la révolte intellectuel, à la révolte dans l'émulation en tant qu'artisan, pour que chacun cherche à produire le meilleur de lui-même, pour que nous accompagnions notre pays dans le développement. Vous comprenez? Nous avons trop discuté, inutilement. Trop de discours creux. Attaquons le système à sa base. Éduquons nos enfants selon notre propre culture. Lorsque nous voulons poser un problème de mathématiques, ça développe le cerveau, on ne va pas dire abandonnons-le. Mais quand je veux raconter l'histoire du sujet, pourquoi je ne dis pas que moi, il y a un maçon de Belégban qui veut construire une maison dans le quartier, peut-être Goulacro, que c'est série. Qui va prendre sa benne pour faire le ramassage. Une benne peut prendre 3 tonnes de ceci et que le prix c'est 3 500 francs. Pourquoi on ne peut pas poser le problème comme ça? Ça permet de ramener les choses chez nous. C'est très important. C'est comme ça qu'on revient chez soi. Nous avons combien de procès, 10, 3 jours? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de Korogo? Ils ont 4 mois de vacances à se promener, à s'enivrer. Et ils n'apportent rien à la patrie. Vous êtes des professeurs d'histoire. Laurent Gbagbo à votre tête. Est-ce qu'on connaît l'histoire de Ouagadougou? Je vous dis qu'une nation, c'est une histoire commune. Quelle est l'histoire de la Côte d'Ivoire? Si nous ne connaissons pas notre propre histoire,
Si nous n'avons pas des repères dans notre propre histoire, comment nous pouvons avoir des valeureuses femmes que nous voudrons imiter? Comment nous pourrions avoir des valeureux hommes que nous voudrions imiter? Comment la saine émulation qui fait que je voudrais qu'on accroche mon nom à une rue demain pourra naître pour que chacun puisse se mettre au service de cette patrie? Tu connais l'histoire du général de Gaulle, ok? Tu sais le général de Gaulle, naturellement. Vous comprenez? Et puis lorsque nous avons créé notre propre histoire, nous devons avoir notre économie. Arrêtez-moi les histoires du copier-coller. Système socialiste, ça veut dire quoi? Système capitaliste, ça veut dire quoi? Nous existions avant eux. Trouvez-nous quel était le système? Hey, avant que les Blancs, dans les 1800, 1600 là, ne viennent ici, l'Afrique vivait, la Côte d'Ivoire vivait. On faisait du commerce, on faisait de la politique. Nos peuples étaient en paix. Après les guerres d'installation, on avait tissé nos alliances. Nous étions heureux. Je peux même dire que jusqu'en 1990, d'une façon ou d'une autre, ça allait bien. Quand subitement, ce qu'il est convenu malhonnêtement d'appeler démocratie, car ça n'est pas une, mais je parle plutôt de multipartisme, c'est la course au pouvoir. Peu importe les alliances idiotes et criminelles qu'on peut faire, arriver au pouvoir est l'essentiel. Et le peuple est traîné dans son propre sang. Nous disons non. Éduquons ce peuple qui est intelligible, afin qu'il trouve sa propre voie. Moi, j'ai confiance. Sinon, je ne serais pas assis là à lutter, à souffrir et à parler. Mais le déclic est chez vous, peuple de Côte d'Ivoire. Car c'est à vous d'accepter. On ne peut pas rester là à se croiser les mains. Merci, monsieur. Quand nos terres sont arrachées sous prétexte qu'elles appartiennent à l'État pour donner aux puissances multinationales et que nous ne trouvons plus d'arachides à manger, pourquoi devrions-nous croiser nos mains? Nous disons non. Peut-être qu'à cause du développement, nous n'allons pas vous refuser nos terres. Mais payez-nous des tribus sur nos terres. Abidjan, Adzopé, Bouaké, Didievi, partout où vous avez pris nos terres pour construire vos communes, dédommagez-nous. C'est ce que nous disons. De quoi le peuple a besoin? Le peuple a besoin de manger. Nous avions besoin et nous avons besoin de manger. Mais pour construire l'aéroport d'Abidjan, vous avez pris ma terre. Chaque jour, vous engrangez des millions. Et moi et mes enfants, nous sommes dans la pauvreté. Et vous prenez cet argent pour payer les voitures climatisées, vous nous éclaboussez avec la boue. Nous disons, attention, peuple de Côte d'Ivoire, on s'arrête. Il y a une injustice qui subsiste depuis des dizaines d'années. Mettons fin. Ceux qui ont la terre sur laquelle est bâti l'aéroport ont droit à l'argent qui est produit à l'aéroport. Cela vient de l'éducation ici. On n'a pas besoin de dire qu'on est contre moi parce qu'on est RDR. Parce que demain, le pouvoir vous échappera. On n'a pas besoin d'être contre moi parce qu'on est PDCI. Nous devons nous harmoniser parce que nous sommes le peuple ivoirois qui vit sur sa propre terre. Nos terres ne peuvent pas nous échapper pour aller dans les mains des étrangers et des multinationales alors que nous allons crever de faim. Il est inadmissible. Le tout est d'avoir l'intelligence de comprendre ces choses. Je dis, quand tu arrives à Irewata, que tu prends la terre de... Je prends un nom qui m'est venu en tête et à André que je salue en passant. Si tu prends ta terre pour faire ton cacao, ce que je te demande de faire avec Yaoundé, c'est que si tu as 10 hectares, sur tes 10 hectares, là, c'est que tu gagnes par an, signer un contrat sous le contrôle de l'État, de sorte que tu reverses une partie de ton gain à Yaoundé. Lui pourra vivre. Parce que nous ne voulons pas accepter qu'il te chasse.
La Côte d'Ivoire a besoin de sa position en café et en cacao. L'État, donc, que nous voulons représenter doit être sage. Vous utilisez le plan d'eau des Biguins et vos bateaux bus les polluent. Mais c'est de l'argent que vous récoltez. Nous disons, pour que eux aussi, de génération en génération, ils puissent vivre. Donnez-leur un peu. Où est le mal? Non, ça n'a pas besoin de guerre. Discutons en tant que citoyens intelligibles, éduqués. Mais le drame, c'est qu'on n'a pas été éduqués. Parce que vous voyez, c'est pour ça que les gens, vous les propres là, vous et moi, ça va être difficile. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire et des intérêts des Ivoirois. Je ne me focalise pas sur un homme. Parce que les hommes vont passer. Vous connaissez combien qui depuis 1960 sont morts, qui sont sous terre? Si on devait se focaliser sur eux, quelle lutte on va faire? Arrêtons de nous focaliser sur les hommes. Focalisons-nous sur notre pays. Focalisons-nous sur l'intérêt général de nos populations, donc de notre nation. Focalisons-nous sur notre sécurité commune, notre économie commune, notre éducation commune, notre formation commune. Parce que si Yao n'est pas là aujourd'hui, Touré pourra faire. Quand Touré ne sera pas là, la Nila va faire. Si la Nila n'est pas là, l'autre Ebrila va faire. Parce que nous aurons mis un squelette de développement en place que n'importe qui arrive là, avec des institutions fortes, pourra diriger le pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation comme si le pays appartient à deux à trois personnes. La preuve, depuis 26 ans, c'est Ouattara, Gbagbo, Bédié. Et là, là, sous nos yeux, là, il va nous doubler pour venir encore. Haïa. Non, Amengoumi Blesso. Donc moi, leur plateforme là, Bédié, Gbagbo, ne m'intéresse pas. Plateforme FPI, PDCI, ça ne m'intéresse pas. La Côte d'Ivoire, ça m'intéresse. C'est pourquoi je vous appelle à abandonner le suivisme de l'homme qui est mortel. Aujourd'hui, commençons à épouser des idées. Nous sommes à combien de mois là? On est en octobre. Octobre prochain, exactement 12 à 13 mois des élections. Aucun candidat ne se prononce d'ailleurs correctement. Personne, aucun parti politique ne vous propose un projet. On va être pendant les campagnes, ils vont se promener pour vous distribuer les plastiques, les gobelets en plastique, les t-shirts mal fichus. Ils vont vous distribuer quelques billets de banque et puis vous avez trouvé votre candidat, c'est ça. Après, vous plaignez que vous n'avez pas d'emploi. Vous voulez qu'il construise des emplois avec quoi? S'il vous a distribué l'argent. Ils cherchent à mettre encore en place pour redistribuer 5 ans plus tard. Vous vous plaignez que vos députés ne viennent pas vers vous pour travailler. Mais comment voudrez-vous qu'ils dépensent l'argent qu'il a déjà dépensé quand il faisait la campagne? Donc, il s'assoit chez lui. Il s'assoit chez lui. Ce qu'il récolte là, il prévoit dans 5 ans, aller vous donner des gobelets en caoutchouc, du divin, du koutoukou, voilà, de la liqueur mal fichue. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est ça que vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous vous dites que vous êtes membre d'un parti, vous êtes incapable de mettre la main à la poche pour financer le parti. Et c'est pour cette raison que vous êtes accroché au Bédié, au Gbagbo, au Ouattara. Parce que dans votre raisonnement, vous dites, eux, ils ont déjà l'argent. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui gouverne un pays avec son propre argent? La Côte d'Ivoire sera gouvernée par l'argent de la Côte d'Ivoire. Donc, toute personne qui a un projet de société viable, comme celui que le Revas a, est capable de gouverner la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez été éduqué à ça? Les gens vous maintiennent dans cet état de ramasseur de chaises. Vous êtes une jeunesse dresseuse de bâches. Et après, on vous donne 1 000 francs à partager, vous vous battez là-dessus. Et vous vous en contentez. Le drame, c'est ça.
Ceux qui ont eu un peu plus se retrouvent le soir à la rue Princesse pour s'enivrer. Pour s'enivrer. Après, ils acclament. Le maire là, il est bon. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné à boire. Le lendemain, ils se réveillent à la gueule de bois, ils n'ont pas d'emploi. Donc, c'est nous-mêmes, les contribuables, qui devons empêcher les hommes politiques, surtout les élus, de battre campagne avec notre argent, nos voitures, nos avions, nos motos et bicyclettes. Mais c'est nous qui les encourageons. Voilà le drame. C'est pourquoi nous avons insisté sur l'éducation. Notre jeunesse doit revendiquer son éducation. Parce que celui qui ne sait pas est l'esclave de celui qui sait. Alors, sachons tous et nous deviendrons des hommes libres pour construire notre pays dans la souveraineté. Parce que vous voyez, j'ai fait un post la dernière fois pour dire que réfléchir est un privilège qui est réservé aux éduqués. Regardez, dans la politique de Côte d'Ivoire, on ne réfléchit pas. Parce que ce n'est pas nous, on est au pouvoir, on s'appelle opposant. Tu t'opposes à quoi? Attendez, nous sommes tous dans un bateau qui est en pleine mer. Et puis tu t'opposes au pilote. Le bateau va s'échouer. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte en politique. Soyez-en rassurés. Vous comprenez? La notion d'opposant est nocif. C'est destructeur. C'est destructeur. Vous ne comprenez pas. Regardez, allons dans la situation honnête d'une démocratie. Parce que c'est ce que nous voulons bâtir. Nous en avons les moyens intellectuels, physiques, spirituels. Nous avons la compétence requise pour bâtir cette nation démocratique. Le pouvoir appartient au peuple. Polycarpe, Anastasie Adou, Nakati Wilfried et moi, nous allons aux élections. Anastasie Adou est élu. Et puis du coup, nous les autres là, on se dresse comme opposants. Opposants à qui? À elle ou bien au peuple? C'est le peuple qui détient le pouvoir. Le peuple a fait un choix. Soyons humbles, le peuple ne nous a pas élus. Premièrement, allons revoir notre projet. Parce que le peuple n'a pas épousé. Qu'est-ce qui manque? Allons retravailler. Tout en surveillant l'élu. Nous allons relever ses erreurs pour corriger notre rapport. S'il propose une loi qui n'est pas bonne, nous ferons de l'opposition conjoncturelle sur la loi qu'il propose. Nous battrons campagne pour que cette loi que nous jugeons mauvaise ne passe pas. Mais si les députés ont voté la loi, cette loi est soumise à tout le monde. Disons, s'applique à tout le monde, excusez-moi l'expression. Cette loi s'applique à tout le monde. Du coup, on laisse passer, la loi est votée. Avons-nous besoin d'aller brûler un bus pour ça? Non. On a perdu. Il faut reconnaître qu'on a perdu. La loi a été votée. Nos concitoyens ne nous ont pas écoutés. Continuons le combat dans le verbe. C'est ça la démocratie. Seulement, nos compatriotes ne voient pas le vrai sens du combat. On se plaignait des personnes à la CEI. Je leur ai dit non, plaignons-nous du code électoral. Ils ne m'ont pas écouté. On a remplacé les hommes, ils ne sont pas encore contents. En réalité, vous voyez, c'est des mendiants politiques qui veulent occuper eux aussi des postes pour avoir l'argent. Leur problème, ce n'est pas le pays. Leur problème, ce n'est pas vous. C'est comme aujourd'hui, j'ai la conviction intime que le problème de Gbagbo, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Le problème de Bédié, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Dans cette coalition, ils ont envie de revenir au pouvoir. Mais je vais même dire quelque chose aux gens du FPI qui sont en train de courir dans cette alliance. Bédié était au Golfe. C'est eux qui ont envoyé Gbagbo
à la haie. Moi, je pense que Bétier sait que Gbagbo ne va pas venir. Donc, il est en train de vous mentir. Il va vous séduire. Comme ça, si jamais il est candidat, vous allez dire comme il a fait alliance avec Gbagbo, vous allez le voter. Moi, j'ai dit rupture. Ça, là, c'est fini. Ils ne sont pas les seuls intelligibles de cette nation. Si c'est PhD, il y a d'autres PhD. Si c'est doctorat, il y a d'autres Ivoiriens qui ont doctorat. Il y a des Ivoiriennes ici qui ont doctorat. Des gens capables de produire. Alors, leur génération doit laisser la place à notre génération. Maintenant, si nous, nous sommes incapables et que nous continuons de dresser des bâches pour eux, défendre leur pouvoir, à cause de ça, nous tuons nos propres frères pour eux, pitié. Alors, pitié. C'est que vous n'avez rien compris. Quand moi j'entends des gens qui disent Gbagbo n'a qu'à sortir de prison pour venir les sauver, moi j'ai fait la prison. Comment vous attendez quelqu'un qui est en prison, qui est enfermé, pour venir te sauver? Vous voyez, les gens du FPI là, je vous donne toujours un proverbe. Bossifacier, il y a eu combien? C'est là que nous allons terminer. Celui qui a la mémoire félicite toujours le prophète. Moi je ne suis pas FPI. Je ne suis pas PDCI. Je suis Rivas. Mais lorsque Gbagbo a été arrêté, vous avez décidé de ne participer à aucune élection. J'ai fait, je crois, 3 vidéos. Je vous ai lancé un appel. Je vous ai expliqué ceci. Au-delà du droit, la CPI est d'abord politique. Et je vous ai dit, pour que Gbagbo puisse être libéré, il faut que nous puissions posséder les leviers politiques et économiques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, allons aux élections. Soyons des députés, soyons des maires, soyons capables d'infléchir le pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous aurons la voix pour le faire libérer. Vous m'avez écouté? Vous ne m'avez pas écouté? Vous pensez que c'est en boycottant tout qui va sortir? Mais vous avez boycotté tout pendant 7 ans. Où il est? Donc, aujourd'hui là, taisez-vous. Reconnaissez que vous avez échoué. La deuxième chose que je vais vous dire, vous croyez que la lutte à la haie là, c'est ça qui est la bonne lutte? Aujourd'hui, vous êtes en Belgique. L'argent que vous dépensiez pour aller à la haie, pour dormir dans les rues là, l'argent que vous êtes en train de dépenser pour aller en Belgique, pour dormir dans les rues là, si vous avez envoyé cet argent ici au pays, on aurait eu des assises solides pour faire basculer le pouvoir. Parce que moi, je crois aux urnes. Mais vous êtes parti gaspiller l'argent là, quel est le résultat? Vous pensez que vous faites la bonne lutte, mais la lutte que vous faites là, les Blancs vous ont éduqué à faire cette lutte. La Côte d'Ivoire est ici tranquille. Et ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Je sais que vous n'allez pas comprendre ce que j'ai dit là. C'est par là que j'ai pitié de vous. Ils vous ont poussé hors de la Côte d'Ivoire. Parce que leur intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Si vous paralysez la Côte d'Ivoire, eux, ils ne gagnent pas. Donc, ils vous ont poussé hors de la Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas compris. Vous les avez suivis. Vous dormiez à la haie. Vous avez dépensé l'argent là-bas. La haie s'est enrichie. Aujourd'hui, c'est en Belgique que vous partez. En même temps, vous chantez « Allons à Gaïma ». Ce n'est pas contradictoire. La clé pour que les Africains qui sont à la haie soient libérés, la clé se trouve dans leur propre pays. Parce que c'est un débat économique, un débat politique, avant d'être un débat juridique. Ceux qui détiennent les nerfs ont des contrats ici. Si vous détenez le levier du pouvoir, vous pouvez infléchir ces gens-là. Vous avez refusé ça. Vous allez danser maintenant à Bruxelles. Les Blancs vous ont eu. Ils vous ont eu. La politique du siège vide n'est jamais favorable à un parti politique, n'est jamais favorable même pour tout un pays. Parce qu'il ne faut pas abandonner le débat. Il faut être au débat. Il faut être aux propositions. Il faut faire de l'opposition quand cela est possible.
À la limite, même soutenir quand c'est possible. Moi, quand j'ai pas envie de soutenir, je me tais. Je vous ai dit, allons au recensement. Vous ne voulez pas aller au recensement, non? Mais les élections vont s'organiser, vous aurez qu'à le voter. C'est ça. In the mind. C'est là que ça se passe. Diaby Gaoussou Nassiré. Bon, j'ai pitié de toi. Ivoirois, mes frères, chers compatriotes, voici notre sujet et nous en sommes à la fin. Nous avons traité le grand thème. Quel avenir de la jeunesse ivoirienne par le REVAS? Nous avons traité premièrement sous thème 1 l'éducation. Nous avons traité en sous thème 2 la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous en débattions. Aujourd'hui, nous en débattions. Nous sommes à l'heure de notre émission. Je voudrais encore vous remercier d'être nombreux. Et je voudrais vous encourager à participer au débat, à poser des questions. Inbox ou bien en commentaire, nous allons y répondre. Pour que nous ayons une connaissance commune, une orientation commune, mais une orientation nouvelle. C'est la responsabilité de notre génération de sauver ce pays. Les autres ont échoué. Ils nous ont divisés. Ils nous ont fait mourir à cause de leur égoïsme et de leur obstination à avoir le pouvoir. C'est sans discernement. Vous voyez? Retournons à nos valeurs. Appuyons-nous sur ce qui est nôtre. Utilisons le verbe pour convaincre. Et sauvons ensemble notre pays. Paix et joie, mes frères. Je vous salue.